Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Marcus. Bienvenue les potos et bienvenue les potesses pour un nouvel épisode de Son of the Forest. Alors, logiquement, vous aurez la cam, parce que oui, ça va commencer à y aller maintenant, hein, les vidéos avec des cams. Parce que j'ai pas acheté une cam pour rien, bref. Et donc, nous reprenons là où on s'était arrêté la dernière fois dans ce jeu, c'est-à-dire il y a 400 ans. Hein, ça fait très longtemps, très longtemps que je n'y ai pas joué. Et donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer à partir de là. Est-ce qu'il y a de la nouveauté? Est-ce qu'il y a eu des choses vraiment très chouettes d'arriver? Ça va se savoir. Déjà, hop là, les flèches, c'est good. Là, nous avons récupéré un panneau solaire. Ah, oh, on a des ampoules. On a des ampoules, les amis. Ah, on va pouvoir faire... On va pouvoir créer de l'électricité. Là, ici. Alors, attends, si je fais R... Flacon, masque, crochet, filet tech, traîneau... Ouais, non, en fait, là, il n'y a pas de changement. Okidoki. Bon, bah, allez, hein, sortons. Voyons un petit peu ce qui nous réserve à l'extérieur. Parce qu'en plus de ça, sachez que je n'ai pas été voir de mon côté ce qui avait été fait précédemment. Ah, voilà, c'est bon. Ah oui, on avait récupéré la pelle. On avait récupéré la pelle. Alors je suis désolé, j'ai ma cam qui est juste là. En plus on a des beaux reflets dans mes lunettes, c'est super. Mais oui, on avait récupéré la pelle. Et comme ça on va pouvoir creuser. C'est trop de la balle. Et Max, Maxou, Maxou, coucou. Hello. Comment tu vas mec? Suis-moi. Ça fait longtemps que tu n'as pas eu d'ordre de Bibi. T'es ok? Bon bah si t'es ok, moi je dis ok. Du coup, c'était quoi? C'était M, non? Ah! Il y a un I. On va aller au I. Allez, viens mec! C'est moi ou... On avait plein de points d'intérêt avant. Et là, on a quasiment plus rien. Tu me suis, Max? Ok. Là, au niveau de la soif, on est bien. Au niveau de la faim, on est bien. Au niveau... c'est quoi? De la force, c'est pas terrible. Ouais. Et je crois qu'on avait fait dodo avant de sauvegarder. Aïe 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 aïe. Allez Maxou, on y va. Ouais, je veux voir ce qu'il y a au niveau du point. Parce que là oui, forcément, vu que ça fait 400 ans que j'y ai pas joué, il y a eu des mages hein, qui se sont succédés et qui ont apporté des nouveaux ajouts. Et ces ajouts, est-ce qu'ils ont été nombreux? Va savoir. On a découvert qu'il y avait des ampoules et des panneaux solaires. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Et si vous savez, bah dites-le moi. Parce que moi, je suis une grosse feignasse. Merde. Merde. J'ai pas été checker ça. Moi, comme d'hab, hein, je vous l'avais déjà dit, mais moi, je... Par moment, même très souvent, je lance les VOD à l'arrache. C'est genre, allez, qu'est-ce que je fais? Son of the Forest? Allez, vas-y, let's go. Bim bam boum, ça y est, c'est lancé. Let's go. En plus de ça, j'ai vu qu'il y avait des gens qui me réclamaient de ce jeu là dans les lives. J'espère que vous serez ravis. J'espère que vous aurez la banane quand vous aurez la notification de la mise en ligne de cette VOD. Ah, vous avez froid et vous êtes trempé. Tu viens, mec? Ce serait bien si l'hiver pouvait disparaître pour laisser place au printemps. Parce que c'est pas que j'aime pas la neige, hein, mais...
Je préfère le vert. Je préfère le vert que le blanc immaculé de la neige. Où c'est que je vais? Ouais, d'accord. Bon, de toute façon, on est déjà trempé. Mince, 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 mince. Il y a quelqu'un à côté. Yop la boum, on passe comme ceci. Je pense qu'on a été remarqué. Mais va-t-il nous suivre? Va savoir. La 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 la, pourri poupa. Pipili pili papou, pilou papou. Eh oui, hein, Son of the Forest, hein, quand tu ne prépares rien, bah c'est ça. C'est de la promenade. Max ! Oh, oh, regardez-moi comment je tremble ! Max ! Où c'est qu'il est? Mec, avance pas à deux à l'heure! Allez, on peut pop! Eh, on n'est pas là pour niaiser, hein! Même si on fait pas grand chose d'intéressant, au moins il faut que tu suives! Si on n'avance pas pour rejoindre l'objectif, voilà quoi! Moi, j'ai envie de te dire, voilà, quoi. Magnifique. Petit saut, mon petit Maxou. Je sais pas si la map a été modifiée. Des fois, ça arrivait... bah, ça arrivait, oui, assez régulièrement, hein, au fur et à mesure des mages sur The Forest. Que des petits bouts de map changent ici et là, que la map s'agrandisse. Je sais pas s'ils ont prévu de faire ça pour ce deuxième opus. Ah, oh, mais le jeu commence pas à laguer là, oh. Ok, on y est presque. C'est bizarre ça. Ça me dit qu'il y a quelque chose à côté. Ok. Attendez, on va aller voir ça. On est à côté. On est à côté, autant y aller. Ça me dit quelque chose, cet endroit ? Mais oui! Mais oui! Regardez! Vous allez vite voir, vous allez vite comprendre où c'est qu'on est. Si c'est pas déjà fait. Ça peut perturber, hein. Voilà! Ça peut perturber le fait qu'on soit en hiver. Mais en face, on a notre magasin. Hein, vous vous rappelez ce bunker où il y a plein de bouffe? Ouais, c'est juste par là, en fait. Je me disais, mais pourquoi il y a un abri aussi éloigné de là où j'étais? Comme quoi, on avait bien marché hein, précédemment. Tu me suis, Maxou? Oui, tu me suis. C'est bien, mon gars. Est-ce qu'on est encore loin? Eh, j'espère vraiment qu'on va pas faire tout ce chemin pour rien. Parce que sinon, Marcus pas content. D'ailleurs, vous me direz hein, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de ce... Il y a un camp cannibale en face. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau placement de caméra? Faut que vous me disiez un petit peu ouais, votre avis par rapport à ça. Alors à chaque fois, il faut que je retire le retour caméra parce qu'à chaque fois, je me regarde dans le retour alors que c'est la cam que je dois regarder.
Mais est-ce que vous préférez le placement de caméra comme dans Layers of Fear? Ou est-ce que vous préférez le placement de caméra comme dans cette VOD? Dites-moi ça. Comme ça, je saurai quoi faire pour la suite. C'est quelque part par là. Peut-être hein, qu'il va falloir creuser, non? Eh, c'est vachement calme aujourd'hui. Eh, mais là, c'est vraiment nickel. Ah. Oh, on a récupéré quoi? Une casserole? Faut très certainement que je creuse. Ah! On va save. Yes. Ok. Encore un panneau solaire! Attention! On y avait déjà été ici! Alors. Ok. Hop, on prend la pelle. Et vas-y. Bien! Et là? Oh! Oh! Matez-moi ça! Oh! Bah, RIP, mon gars! Configurer les munitions de balles. Excellent! Bah, je suis vraiment désolé hein, d'avoir déterré un cadavre. Mort en plus de ça. T'es où, Max? C'est là. Alors là, du coup. Eh! Relève-toi. Viens, mec. Viens, on se casse. Attends, moi, je vais prendre... tiens, ceci. Tu me suis? Maintenant, hop. Et maintenant, franchement, je vois pas où c'est qu'on va aller. Hein. On va essayer de se diriger, là, regardez. Merde, je pensais qu'il y avait un cannibale derrière là qui se ramenait. On va essayer d'aller au niveau du lac qui est droit devant. Bah, je suis bien content. Ouais, vraiment, je suis bien content. Parce qu'on a ouais, fait un bon bout de chemin dans la pampa enneigée. C'était agréable. Mais on n'a pas fait ça pour rien. On a récupéré un peu pour mon gars. On a récupéré une casserole. À quoi ça va servir? J'en sais rien. Vas-y, respire, respire, respire. Par contre, ouais. Il faudrait qu'on se pose pour regarder un peu s'il n'y aurait pas des nouvelles constructions. Ok.
Max! Dépêche-toi! Donc là, a fortiori. C'est quoi ça? A fortiori, il n'y a rien. Ok. La 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 para para. Qu'est-ce qu'il y a à droite devant? C'est un camp cannibale? A fortiori, ouais. On s'en va, mec, on s'en va, on s'en va, on s'en va! Mais non, moi à la base. J'étais parti pour aller tout droit. Niveau de la playa. Parce que à la playa, rappelez-vous, on avait construit une tente. On avait fait un feu de camp. Donc là, on va y aller. On va se reposer. On va manger. Et puis bah après, je sais pas quoi. Parce que comme un con, ce que j'ai fait, c'est que j'ai même pas lancé de chrono. Fort heureusement, j'ai la durée de la webcam qui s'est enclenchée. Comme ça, je sais exactement combien ça fait. En vrai, ouais, si j'utilise toujours ma webcam, je n'aurai plus besoin de mon chronomètre. Vu qu'il y a un chrono au niveau de la cape. Tout à fait. Je vois que c'est l'enjaillement total par là. Ah mais ouais, tout à fait. Tout à fait. Thierry, ici, est-ce qu'on a quelque chose? Non. Mais ouais, mais moi j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de points d'intérêt. Là, comment je vais faire? C'est un truc de ouf. On n'avait pas, faudrait que je regarde l'épisode précédent. Même les épisodes précédents. Mais je crois qu'avec le GPS, on voyait bien, moi je pourrais dire, ouais, des petits points verts, des petits points d'intérêt ici et là au niveau de la map. Là, maintenant qu'on n'a plus rien, comment je vais faire? Parce qu'il y avait plein de coins où il fallait creuser. Et je ne pouvais pas creuser, donc je ne pouvais pas aller dans les endroits intéressants. Et maintenant que oui, maintenant que j'ai récupéré la pelle, hein? Hein? Mince alors. Il y a toujours quelque chose qui se dresse sur mon chemin. Est-ce que je peux passer là? Ouais. Alors Max, tu me suis pas? Fais pas ton feignant. Ah oh, mais non, mais il fait vraiment. Non mais bon, il est pas feignant pour le coup parce que oh là, disparition ninja. Il s'est carrément écarté. Il ne veut pas marcher dans l'eau. Hein. Il ne veut pas tremper ses petits pieds. Comme ça, il n'aura pas froid, il est pas con. Moi, je m'en fous. On va aller se reposer. Ouais, on, non, c'est même pas qu'on va se reposer. On va surtout, c'est... comment je pourrais dire? On va aller allumer le feu. Parce que là, on a froid, en fait. Non! Non! Tais-toi. Vas-y, mange. Parce que c'est. Ok. Ah d'accord, ok. Voilà. Hein, est-ce que je prends soin de la nature? Absolument pas. Ok. Ça se mange comme ça. À l'arrache.
Et comme ça, ma soif est à fond, ma bouffe est à fond. C'est magnifique. Hop. Et là, je suis plutôt content. Parce que... Cool. Parce que, rappelez-vous, lorsqu'on avait parti explorer une grotte, notamment, je crois, pour récupérer la pelle, on en avait chié. On avait perdu énormément de vie. J'avais utilisé pratiquement... tous mes soins. Et là, en fait, on se remet bien. Bah, où est le cadavre? Oh, je... Ah oui, là. J'allais dire, je l'ai complètement, mais complètement désintégré. Absolument pas. Par contre, où il est, le feu de camp? On l'avait fait où, mec? Comment on fait? Comme ça, comme ça. Salut Virginia. Je sais même plus comment tu t'appelles. Attends, on va la laisser s'approcher. T'as pas froid comme ça en maillot? On dirait. Ouais, elle m'apporte une offrande. Merci. Merci. Voilà, on va faire ceci. Le feu de camp, le feu de camp. Autrement, on en fait un autre. Hein. Je pense qu'on va faire ça. Hein. On va le faire là. Hop. Hop. Et voilà. On est à 157 feuilles. Si je le fais pas... Ok. Si je le fais pas, la viande va être perdue. Tac, il faut faire ça. On récupère ceci. Sait-on jamais si on se fait attaquer? Ouais, elle est toujours en face. Hein. Non, je vais retirer ça. Est-ce que... Oui, c'est bon. Ah, c'est glauque. Ah, c'est ultra glauque. La tête, je l'ai toujours sur moi. C'est peut-être, ouais, une façon d'effrayer les éventuels cannibales qui essaieraient de m'attaquer. Allez, je pense qu'on va pouvoir faire dodo. On va d'abord sauvegarder. Non, on va faire dodo. Ok. Super. Donc là, on est très certainement au petit matin. Ouais, c'est ça. Je sauvegarde. Ah ! Vous avez vu ça ? On peut plus sauvegarder. 30... Ouais, j'ai fait 30 sauvegardes, hein. Faut pas déconner aussi. On va sauvegarder sur celle-là. Voilà. On a 30 slots. Ah, la revoilà. Eh non, elle fait... arrête tes conneries, toi. Bouge pas, Max, bouge pas. Non, mais si la gonzesse se ramène assez régulièrement pour me ramener de la nourriture, on est tranquille. T'as vu ça, Max? On est vachement bien, attends. Je vais aller vers elle. Hello? Elle nous a ramené un poisson.
Merci Virginia. Ou Virginia, ou je sais plus. Je le récupère. Oh! On va essayer un truc. Il est où le feu? Il est où le feu? Il était quelque part par là. Ah. T'as vu ça un peu la neige? C'est chiant. Ok. Alors attends. Fermé. Si je prends la casserole. Casserole. Je la mets ici. Ensuite, je peux rajouter... Ah, il faut de l'eau. Ah, d'accord, ok. Il me faut de l'eau. Donc du coup, on va aller récupérer la gourde qui est quelque part, je ne sais où. J'ai beaucoup trop de bordel. Où est la gourde? Est-ce que j'avais fait une gourde? Là. Elle revient vers moi ou elle s'éloigne? Non, elle s'éloigne. Dis, je sais pas où t'as été marcher, Virginia, mais franchement... Non, mais oh là là... C'est ouf quand même que t'aies encore peur de nous, là. Tu nous approches, on te fait rien. Ah! Elle prend ton temps, hein. T'attends. Non. Elle n'est pas motivée. Motivée, elle n'est pas motivée. Tiens, non. Où c'est que je peux récupérer de l'eau, moi? Si je vais là. Magnifique. Bien le bruit. Ouais, moi aussi je peux faire pareil. Encore un petit coup. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a du vin, des frites et du saucisson. Je vais te laisser nous approcher. Oh merde! Oh merde! Hop 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 hop. Eh oh, ils sont chiants de faire des roulades là. Vite. Waouh. Ah, le jeu il a frisé tellement l'impact était violent. Mais merde! Tiens, hop, hop! Fallait pas nous attaquer! Je t'ai sauvé la vie! Je t'ai sauvé la vie, hein!
Attends. Ah, je peux rien faire. R. Utiliser. Et tiens. Oh là là. Oh, elle est armée et dangereuse. Ouais, exact. Et je t'ai donné un flingue, hein. J'espère que tu vas t'en servir. Attention, oh. Mais fais attention où tu tires. Il est où mon peupon, moi? C'est trop fort, c'est trop fort. Je, voilà, je vais peut-être m'en servir comme miniature, je sais pas. C'est trop fort. Du coup, demi-tour. Bah voilà, on a... Il n'y aura pas eu d'action depuis... comment je pourrais dire? Depuis le début de la vidéo. Et je boum. Même si j'ai pris très cher. Hein. J'ai vraiment pris très cher. Ça fait combien de temps là? Ça fait 33 minutes, ok. Je surveille le chrono. Là, est-ce que c'est éteint? Tout à fait. Donc on va rallumer. Maintenant. On va là. Quoi? Le feu s'est éteint? Oh. On peut pas le faire ici là? Voilà. Comme ça, il disparaîtra pas. Enfin, sous la neige. Sous la neige, hein. Donc là, tac. La casserole. R. Mais je vois pas où est l'eau. Faut que je prenne ma gourde. Mais comment tu veux que je fasse? Non! Comment tu veux que je fasse? Oh, requise. Alors, je vais faire un truc. Est-ce que je peux combiner ça? Ça, je voulais faire. Ah bah, équipé, bah non. Là, si je fais ça, là, si je prends la... Boire, boire. Équipé. Comment tu veux que je fasse? Je pige rien. Alors là. Ah, oh, punaise. Bon, tant pis. On verra ça plus tard, les amis, parce que là, je ne vois pas. Ou là, il faudra que j'aille voir... un tuto, ou alors si vous voulez me le dire, dans l'éventualité où j'aurais pas été voir un tuto, parce qu'à chaque fois je dis que je vais faire des choses, enfin que je dis que je vais faire des trucs et finalement l'épisode suivant je suis en mode ah bah en fait j'ai rien fait du tout et que dalle mon gars. Par contre grâce à vos messages bla bla bla. Bon, ce serait bien si tu pouvais rester à côté de nous, non? Hein? Je peux récupérer mon flingue?
Ah ouais, genre avec le flingue, y'a pas de soucis, j'ai pas peur. Par contre, dès que je l'ai plus... Ah, vite, on se casse! Bah tu me diras, un flingue, ça rassure. Hein. Même si, là, tout à l'heure, quand on l'a vu tirer, ouais, j'étais pas très convaincu de la précision. Tac. Là, on va faire une sauvegarde sur le début. Voilà, et le 23 février, quoi. On est le 2 juin. Truc de fou. Allez, sur ce, les amis, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez kiffé cet épisode de Son of the Forest, où il y aura eu beaucoup de balades, un peu d'action, un peu de nouveauté, et ouais, surtout le peupon. Le peupon et le fait qu'on ait mis, regardez, un petit schlack, un petit GPS sur Virginia, comme ça on sait exactement où elle est. Et je sais que je peux lui donner un flingue, même si je sais pas comment ça se passe au niveau des munitions. Est-ce que vous le savez? Si oui, bah dites-moi comment ça se passe. Est-ce qu'elle a des munitions à l'infini? Ou est-ce que ce sont des munitions qui dépendent de moi? Va savoir. Allez! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bah comme d'hab, je serais tenté de te dire, lâchez-moi plein de messages, répondez aux questions que j'ai pu vous poser éventuellement, si vous avez... les infos, le petit pouce en l'air si ça vous a plu, le partage, l'abonnement, la petite cloche. Ciao, bye bye.